je suis né au mois de juillet 46. Mon père a été élu député au mois de décembre 46. J'ai vécu toute ma vie dans la politique, toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Et jusqu'à ma jeune vie d'adulte, alors que mon père est décédé, j'avais 22 ans. J'ai donc vu ce qu'était la vie de comté d'un député dans un comté rural qui reçoit 75 personnes le dimanche dans son bureau de comté à côté de la maison. J'ai fait tourner des 14 paroisses du comté de Bagot. Tout le monde se connaissait. Je me souviendrai toujours dans les années 60, papa regardait des jeunes garçons qui s'appelaient Daniel parce que les parents avaient décidé de donner leur nom du député à leur enfant. Alors, c'était une vie rurale, une vie politique très personnalisée. Le député, c'était quelqu'un de la communauté. C'est un acteur important de la communauté, beaucoup plus qu'un acteur médiatique, beaucoup plus qu'un personnage abstrait sur le plan politique. Deuxièmement, j'ai vu mon père passer à travers des moments difficiles puis des moments extraordinaires, pour pas dire glorieux carrément dans certains cas. Des moments difficiles, le départ de la mort de Paul Sauvé, l'ouverture de la course à la chefferie, les divisions internes dans l'Union nationale qui étaient considérables en 1961, sa défaite à l'élection de 62, la nationalisation de l'électricité par Jean Lesage, le combat de la survie comme chef qui a dû mener pendant 2 ans. Avant finalement de se rétablir, d'être capable de reprendre vraiment le contrôle de son parti, puis finalement son élection et son arrivée comme premier ministre en 1966, la visite de Gaulle, les grandes conférences fédérales provinciales autour des questions constitutionnelles alors. Alors, j'étais un témoin assez près de ça. Enfant, j'ai compris ce qu'était l'absence pour une famille de députés. Adolescent, j'ai eu l'occasion d'entendre des conversations que je n'aurais pas autrement entendues et apprendre des choses sur la relation entre le ministre ou le chef de parti et les gens. Et jeune adulte, j'ai participé à des campagnes électorales avec lui, à compter de 62. Dans les choses qu'on voit en politique, il y a des événements qui frappent, des anecdotes ou des photographies dans le temps. Alors, en 1966, l'élection est serrée. En début de soirée, Radio-Canada fait le reportage. Les comtés du bas du fleuve, de la Gaspésie, de la région de Québec, de la Beauce, votaient beaucoup Union nationale. Et on projetait, sans que Bernard de Rome dise, à cette heure-ci, on déclare le gagnant, mais on anticipait que probablement l'Union nationale gagnerait. Et il y avait, alors j'ai vu, moi, 300 personnes à la maison à Saint-Pied-de-Bagotte, sur le terrain, partout, les gens sortaient par les fenêtres, littéralement. Et vers 10h30, l'Union nationale perdait, parce que les comtés de Montréal entraient, puis c'était surtout le Parti libéral. Et là, j'ai vu la maison se vider, il restait 30 personnes. Et puis à minuit, l'Union nationale gagnait, puis il y avait à nouveau 300 personnes. Alors, des événements comme ça font qu'on se souvient des 30, puis on préfère ignorer ceux qui sont partis et revenus. Les relations avec Daniel, mon frère, ont toujours été chaleureuses, fraternelles, vraies, authentiques, comme deux frères. Et le fait qu'on ait été... D'abord, on a été séparés dans le temps, longtemps, parce que Daniel faisait des études en Angleterre puis aux États-Unis. Il est parti du Québec pendant presque 6 ans, à une période qui était cruciale, la crise d'octobre, le ferment nationaliste... Je dirais qu'il a bâti éventuellement ce qui est devenu l'élection de 76. Donc, on parle de 68 à 76. Alors, il n'était presque pas là à cette époque-là. Et en dépit de ça, on a maintenu une relation fraternelle. J'allais souvent le visiter aux États-Unis, en Angleterre, où il était. On a voyagé ensemble en Europe. Et quand il est revenu, il a eu un métier qui l'a amené dans un milieu qui n'était pas un milieu péquiste, qui était plus un milieu libéral, qui était le milieu de la grande entreprise. Et même quand il a décidé d'aller au Parti libéral, il a d'abord fait la campagne référendaire du côté du Nord.
Moi, je l'ai fait du côté du oui, et ensuite, il est devenu député libéral. On a toujours comme maintenu la question politique en dehors de notre relation. Ça paraît difficile parfois pour les gens de comprendre ça. Mais comme dit Daniel, on n'a jamais parlé de politique quand on a été tous les deux actifs. On parlait juste d'affaires publiques. Donc, jamais de questions partisanes. Toujours de questions plus élevées qui faisaient en sorte qu'on ne soit pas obligé de s'affronter. Fin des années 60, au décès de mon père, Jean-Guy Cardinal, alors député de l'Union nationale, qui était devenu député de l'Union nationale dans le comté de mon père, dans le comté de Bagotte, était ministre d'Éducation, se présente à la chefferie de l'Union nationale. Et j'ai travaillé avec lui et son équipe. M. Bertrand, Jean-Jacques, a remporté l'élection. Et là, il y a eu une désaffection de beaucoup de jeunes qui étaient à l'Union nationale. Et qui sont retournés dans la vie privée ou qui sont allés au PQ. Moi, j'avais l'intention de retourner aux études, aux affaires étudiantes, passer mon barreau, puis éventuellement faire autre chose, jusqu'à ce que la crise d'octobre arrive. Et la crise d'octobre, en 70, si on avait la moindre teinte nationaliste, on était soupçonné. La réaction du gouvernement fédéral... ce qui ont été deux enlèvements par des groupes qu'on qualifierait aujourd'hui de terroristes, a été une réaction assez large et dans laquelle on a critiqué pas juste des gens qui sont avérés être des meurtriers dans un cas, mais on a tout mis dans le même paquet. FLQ, PQ, nationalistes, et je trouvais ça injuste. Et je trouvais ça une caricature du Québec. Et moi, ça m'a convaincu de commencer à militer au PQ à ce moment-là. M. Lévesque m'appelle, me demande si je ne serais pas candidat dans ce qui était devenu le comté de Johnson, dans l'Estrie, où je faisais mes études à l'Université de Sherbrooke. J'étais en deuxième année de médecine, il n'y en était pas question. Mais j'ai quand même donné un coup de main à l'élection de 73 au PQ. J'ai participé à la campagne électorale de façon très active. Et ensuite, j'ai été mêlé aux instances locales et éventuellement les instances régionales et les instances nationales du parti en tant que tel, en travaillant notamment au comité du programme sur certaines choses et éventuellement à l'exécutif national du parti à cheval sur l'élection de 76. J'avais préparé ça, moi, je dirais à peu près un an et demi d'avance. M. Lévesque m'avait demandé si j'envisagerais d'être candidat aux élections que tout le monde attendait en 77 ou 78, il faut se rappeler de ça. Parce que l'élection avait eu lieu en 73. Immédiatement, trois ans après, il y a déjà une élection. M. Lévesque, je pense, m'approche fin de 74, début 75. Alors que je terminais mon internat à l'hôpital Saint-Luc comme médecin. Il me dit que si ça vous tente de vous présenter aux prochaines élections, commencez à regarder un comté. Alors, j'ai regardé le comté d'Anjou. C'est un comté qui a une texture... D'abord, c'est un comté urbain, on ne peut plus urbain, qui a une texture assez complexe. C'est dans l'est de Montréal. Il y avait à l'époque, il y a encore en partie d'ailleurs, une forte proportion des gens qui étaient pauvres et qui vivaient dans des conditions extrêmement difficiles, beaucoup de bénéficiaires d'aide sociale. À côté de ça, dans une partie de ville d'Anjou, une classe moyenne relativement aisée, et même une classe supérieure de gens très, 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 très aisés, avec un coin résidentiel extrêmement riche, et une petite partie du comté où vraiment... multiculturel, polychrome, comme on dit parfois, des gens venant d'un peu partout dans le monde, une communauté italienne importante, mais une communauté italienne francophone dans le comté d'Anjou. Alors, un comté assez représentatif de la complexité de Montréal, sur un plan social,
comme sur un plan culturel et ethnoculturel. Je me suis assis avec les militants, je leur ai dit « ça se pourrait que ça me tente d'être candidat ». Puis je suis prêt à me battre à une convention pour l'être, mais c'est un mur de briques, puis les gens trouvent inacceptable que quelqu'un qui n'est pas un résident du comté soit candidat, dites-le-moi tout de suite. Et les gens ont dit « ben, si tu veux essayer, tu peux essayer ». Alors je me suis fait élire membre de l'exécutif local du comté d'Anjou, et j'ai milité avec ces militants pendant de nombreux mois. J'ai participé aux campagnes de financement, etc. Et quand l'élection est arrivée, il y a eu la convention. Claude Charron était là, à la convention, et M. Lévesque est venu à la convention. Et c'est comme ça que je suis devenu député d'Anjou le 15 novembre 1976. À ma surprise, comme celle de tout le monde, le Parti québécois était porté au pouvoir. On ne s'attendait pas vraiment à remporter le pouvoir en 1976. On s'attendait à faire des progrès importants par rapport à 1973, mais on ne s'attendait pas à remporter le pouvoir. Alors oui, il y a eu de l'euphorie, mais en même temps, une sorte de sentiment qu'il fallait se préparer. Là. On allait gouverner. On allait cesser juste de faire des discours. J'aimais ça, la vie de député. Il faut dire que quand on connaît la vie de ministre, on trouve ça parfois un peu fastidieux parce qu'on est ministre puis on a des décisions à prendre puis desquelles on doit répondre devant l'ensemble de la population à la période de questions ou ailleurs, devant un journaliste. Et s'occuper des problèmes de comté, c'est s'occuper de problèmes beaucoup plus locaux. Quand les gens viennent voir dans votre bureau de comté, là, c'est pas pour entendre des discours. Hein? Et c'est pas pour entendre parler d'une réforme à venir. Les gens veulent régler un problème. Hein? Ils veulent sauver des emplois, ils veulent sauver leur entreprise, ils veulent avoir une subvention pour un organisme communautaire. Le maire vient se plaindre du fait qu'il pense qu'il n'a pas eu son juste transfert de fonds de Québec dans un projet. Bon. Alors, c'est des choses très, très concrètes. Hein? On est à la fin de juin, début de juillet 1977, donc ça fait un peu plus de 6 mois que je suis parlementaire. Michel Carpentier, qui était à l'époque un collaborateur immédiat de M. Lévesque, vient me voir. Je sais très bien qu'il va avoir un message pour moi, puis il cherche à trouver ma réaction. Et moi, je suis convaincu qu'il va me dire, le premier ministre offre le ministère de l'Immigration. Qui est un ministère, comme tous les ministères, qui a son importance parce qu'on est au Conseil des ministres, mais qui, sur le plan des exigences, des clientèles, entre guillemets, est un ministère peut-être moins difficile à gérer que certains autres. En tout cas, à cette époque. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je dirais ça. Et Michel Carpentier dit, « Monsieur Lévesque veut t'offrir le ministère du Travail. » Et ça m'a peu près de cours. Je n'avais pas d'expérience dans le secteur des relations de travail. Je suis avocat, médecin, j'ai fait du militantisme étudiant. Et puis c'est ça mon bagage. Et puis je connais un peu la politique parce que j'en parlais au petit déjeuner et puis le soir, puis les fins de semaine avec mon père quand j'étais plus jeune. Mais j'étais un peu surpris qu'on m'offre ça, mais j'ai compris pourquoi. M. Lévesque avait besoin de quelqu'un de jeune. Qu'il ferait avec cohérence. Il savait que j'étais un homme de cohérence. J'ai des principes dans ma façon de dire, des priorités un peu têtues parfois. Et M. Lévesque savait que ça prenait ce type de caractère-là au ministère du Travail, parce que le ministère du Travail, c'est un ministère d'intérêts. Les intérêts syndicaux, les intérêts patronaux, c'est un ministère très dur sur le plan médiatique. Les centrales syndicales, les entreprises moins, mais les centrales syndicales, les syndicats jouent les médias tous les jours quand il y a un conflit de travail. Or, je vous remets dans le contexte, 1976, 6 millions de jours hommes et femmes perdus à cause des grèves et des lock-outs par année. Aujourd'hui, on était peut-être 150 000. À l'époque, 6 millions de jours, personnes perdues à cause des grèves et des lock-outs.
j'ouvrais mon cahier que j'appelais le cahier des grèves, qui était le cahier des conflits. Il y en avait en moyenne 28 à 30, n'importe quel jour donné de l'année quand je suis arrivé au ministère. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé au premier ministre si je pouvais conserver le ministère de la main-d'œuvre. Alors, c'était travail-main-d'œuvre, mais on voulait à l'époque détacher main-d'œuvre pour aller envoyer ça à la sécurité du revenu avec l'aide sociale. Je dis non, j'ai besoin de mettre les parties à table, patronales et syndicales, à penser à des choses positives. Et les réformes à apporter dans le secteur de la main-d'œuvre sont des sujets qui vont nous permettre d'asseoir autour d'une même table les centrales syndicales et les représentants patronaux pour penser à ce qu'on fait avec la formation de la main-d'œuvre, pour penser à ce qu'on fait avec le recyclage de la main-d'œuvre, pour penser à ce qu'on fait quand il y a des fermetures d'usines qui nous viennent de conditions objectives, la fermeture d'une mine parce qu'il n'y a plus de minerais, etc. Et M. Lévesque, à l'époque, a accepté. Ça a retardé le projet qu'il y avait de faire un ministère de la Sécurité du Revenu. Il a très bien compris que j'avais besoin de ça comme instrument pour « civiliser », entre guillemets, si on veut, le rapport entre le monde patronal et le monde syndical à l'époque. On a mis en tutelle un certain nombre de syndicats véreux dans le secteur de la construction et qui ont conduit d'ailleurs à des poursuites criminelles contre un certain nombre de personnes. Et j'ai renforcé ce qui s'appelait le Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Et ensuite créé un bureau sur les statistiques et la productivité pour amener le monde syndical et le monde patronal à parler d'avenir plutôt qu'à parler de conflit. Et ça, je dois dire, c'est le ministère qui m'a marqué le plus. D'abord, c'est 90 heures par semaine, le ministère du Travail. Même si le ministre ne se mêle pas des conflits, et une chose que j'ai apportée au ministère. Traditionnellement, jusqu'à, je dirais, 77, essentiellement, que ce soit sous le gouvernement libéral ou sous la première personne à être ministre du Travail, sous le PQ, traditionnellement, le ministre du Travail intervenait dans les conflits. Il devenait un acteur du conflit. Et moi, je me suis refusé à faire ça en disant, il y a des conciliateurs, des médiateurs au ministère, c'est eux qui vont faire le boulot et je ne siégerai pas en cours d'appel de leur décision. Parce que les stratégies patronales et syndicales, c'était simple. Ils allaient chercher tout le jus qu'ils pensaient qu'ils pouvaient aller chercher du conciliateur. Puis après ça, ils disaient, ça ne marche pas. Ils faisaient une conférence de presse, puis ils disaient, on demande au ministre de s'en occuper maintenant. Alors moi, j'aurais dit non, ça arrête au bureau du sous-ministre responsable des conciliateurs. Et ça a changé beaucoup la culture du ministère, ça a changé la culture des partis. Alors, un jour, j'avais constaté que dans les salles de conciliation, il y a des chaises cassées, puis des tables, puis des trous dans les murs. Alors, on m'expliquait, les conciliateurs m'expliquaient, de temps en temps, une négociation, ça se faisait comme ça. Que les gens envoyaient des bouteilles de coke sur les murs et puis cassaient des chaises. Alors, j'aurais dit, c'est fini, c'est du matériel public, ça, puis on ne se conduira pas comme ça dans une salle qui était payée par les contribuables. Et deuxièmement, j'avais appris qu'il arrivait que dans les négociations, les négociateurs patronaux ou syndicaux parfois insultent. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait deux femmes qui étaient conciliateurs. Et face des allusions au fait de leur féminité, je suis quelqu'un que ce soit. Et j'avais fait venir ces deux conciliatrices en leur disant, le premier, hein, quand moi je suis au bureau de Montréal, là, toi est lundi, puis toi est vendredi, puis des fois j'y suis le jeudi. Et dans une séance, le premier représentant syndical ou patronal qui vous insulte ou qui fait une allusion à votre féminité, je vous le dis, là, puis je vous le dis comme ministre, vous venez dans mon bureau, vous venez m'expliquer ça, puis je vais y aller, moi, avec vous. Puis c'était arrivé une fois. Je suis descendu dans une salle, puis j'expliquais à un délégué syndical que je n'acceptais pas le genre de vocabulaire qu'il utilisait et qu'il aurait honte à la télévision, et le président de sa centrale aurait passablement honte s'il savait ce qu'il avait dit. Et puis, soudainement, il y avait plus de chaises cassées au ministère, et puis on respectait les femmes conciliatrices, et puis ce type de geste-là est important. On se promenait plus avec des chiens. À une certaine époque, il y a des représentants patronaux qui arrivaient avec des gardes de sécurité puis des chiens policiers. J'ai sorti ça du ministère aussi.
D'abord, j'avais affaire à M. Lévesque d'être à sa disposition dans n'importe quel remaniement. J'étais un peu fatigué après 3 ans et demi au ministère du Travail, à 90 heures par semaine, puis à ne pas voir sa famille, puis mes enfants qui étaient tout petits, puis qui poussaient, puis que je ne voyais pas. Et j'étais disponible là, pour autre chose qui me permettrait de respirer. Deuxièmement, j'étais disponible pour travailler pour l'élection. On savait qu'il y avait une élection qui s'en venait bientôt. Et j'ai demandé, j'ai offert à M. Lévesque d'être à sa disposition. Il m'a offert alors le ministère des Affaires municipales des institutions financières. Et j'ai dit à M. Lévesque, ministère des Affaires municipales, M. Lévesque, ça va me prendre 6 mois, on va déjà être rendu au début de l'élection avant que j'aie rencontré les gens des institutions municipales. C'est un réseau extrêmement lourd, complexe, qui est fait d'élus aussi, il ne faut pas oublier ça. Les maires, c'est des élus, puis ça tend à être traité comme des élus. Il avait raison. Et si je fais ça, ben, je n'aurais pas le temps de m'occuper de l'élection. Puis j'avais des responsabilités, notamment dans l'Estrie pour le parti. Je m'occupais un peu des questions de l'Estrie, même si mon bureau, mon comté était à Montréal, parce que j'avais des racines importantes dans l'Estrie. Et j'ai donc pris les institutions financières. Le Parti québécois arrive au pouvoir avec un double mandat, un qui est de gouverner et un autre qui est de réaliser un référendum qui a dit à la population qu'il ferait. Alors ça, gouverner, on a fait ça beaucoup pendant 3 ans. On a fait quantité phénoménale de réformes. L'assurance automobile, vous en souvenez, le déclubage des clubs de chasse et pêche au Québec, la réforme, les réformes qu'on a faites dans le secteur du travail, des réformes qu'on a faites dans la sécurité du revenu, des réformes importantes dans le secteur de l'éducation, au point où même certains pensaient qu'on avait comme... M. Lévesque avait comme oublié qu'on devait faire un référendum, et puis il s'est avéré, dans le fond, qu'il s'est vraiment... Il a vraiment organisé son travail au niveau du Conseil des ministres et au niveau de son cabinet de premier ministre pour le référendum, qu'à peu près un an avant le référendum. Un peu plus d'un an avant le référendum, et non pas en arrivant au gouvernement. Donc, le référendum, c'était comme une échéance inévitable pour nous, et ça faisait partie de nos vies. Pour certains, ça faisait partie de leur seule existence, surtout dans la députation. Les députés étaient surtout là pour ça. Ceux qui étaient au conseil ministre devaient gouverner, devaient s'intéresser à des enjeux de fond, sur lesquels le parti avait fait une réflexion très importante, avec une série d'engagements qu'on a respectés tous. La tenue du référendum, bien, c'est une mobilisation phénoménale. D'abord, le débat parlementaire, un des grands débats dans l'histoire du Québec. Il y en a eu d'autres aussi, mais celui-là était particulièrement vibrant. Il y avait presque un affrontement de générations, en plus, dans le Parlement à l'époque. Et puis, quand on regardait les sondages, immédiatement après le débat, diffusé, télédiffusé, parce qu'on a introduit aussi la télédiffusion des débats à ce moment-là, le oui l'emportait presque. Bon, la campagne a eu lieu, quelques erreurs ont été commises, et puis finalement, les citoyens ont choisi, puis ils ont fait le choix de dire non. Un soir difficile pour M. Lévesque, pour Mme Payette aussi, on s'en souvient, avec des images qui sont encore aujourd'hui saisissantes. Un moment difficile pour le parti, un moment déchirant pour beaucoup d'entre nous. Des gens qui se demandaient, est-ce que je dois continuer d'être là ou pas? Pourquoi continuer à gouverner si on n'a pas atteint l'objectif qui était au cœur de notre programme? Et puis d'autres pour qui le raisonnement était très différent. C'était, oui, mais on a une responsabilité de gouverner. Et M. Lévesque, lui, non seulement qui trouvait qu'on avait une responsabilité de gouverner, il voulait gagner une autre élection. Ça ne s'est pas fait le jour même, ça s'est fait dans les mois qui ont suivi, il s'est ressaisi, il a vu venir le rapatriement, il a mobilisé les troupes, et puis on a gagné une deuxième élection. Sans promettre qu'il y aurait un deuxième référendum. Et plutôt que de continuer le train de réforme qu'on voulait faire, on a été aux prises après le référendum
avec la nécessité de gérer une crise des finances publiques sans pareil avant, puis sans pareil depuis. Et ce qui a totalement absorbé l'énergie du gouvernement pendant 4 ans. Le référendum a été vécu comme une épreuve pour la génération de ceux qui étaient là. Ça a divisé des familles. J'en suis un exemple. Ça n'a pas mis à chicane dans la famille. Mais ça a divisé, malgré tout, des familles. Des gens votaient d'un côté ou de l'autre. C'est quelque chose qui apparaît vital, fondamental pour l'avenir d'une population. Et se sentait qu'on ne se dirigeait pas vers un consensus, mais vers une division qui est encore là, d'ailleurs. Et donc, moi, je crois qu'après le référendum de 1980, il y a eu dans la population un mouvement d'une certaine sagesse, d'une certaine, certaine authenticité d'un peuple minoritaire sur un continent et qui doit à son calme et à son bon jugement sa survie. Et dans son calme et son bon jugement, le peuple a décidé qu'il en avait peut-être un peu assez de ses batailles en matière constitutionnelle. Il s'attendait à autre chose des politiciens que des questions constitutionnelles. Et il y a une partie des troupes du Parti québécois qui ont toujours refusé ça, qui a toujours refusé ça. Et le Parti libéral, lui, l'avait très bien compris. Et ça refait, dans le fond, un peu la donne politique. Les Québécois n'étaient pas mûrs pour reconsidérer la question constitutionnelle ou la question de l'indépendance à court terme à l'intérieur de la même génération. Et le Parti québécois s'est maintenu sous M. Lévesque comme un parti de gouverne et un parti qui tend la main pour essayer une réconciliation que les gens avaient sentie comme étant difficile. Brian Mulroney arrivé à Ottawa, c'était tellement différent de l'ère Trudeau. C'était comme une bouffée d'air frais à bien des égards. Les plus cyniques au PQ disaient « ça ne donnera rien de toute façon ». C'est avéré qu'ils avaient raison à cette époque-là. Mais ils n'avaient pas raison de prétendre que l'alternative au fédéralisme, c'était de recommencer avec une élection référendaire ou un référendum. Parce que la population n'en voulait plus.